Le Carec, c'est un type donc, qui a 75 ans aujourd'hui, je crois, et qui a commencé à faire des photos très jeune, à l'âge de 10-12 ans. Il en est très content, très fier. Il a eu, un peu comme certains d'entre nous ont la chance de vivre ça, une espèce de flash. Un jour du Tour de France, il a pris une photo d'un type qui passait en vélo et il s'est dit « c'est ça que je veux faire de ma vie ». Depuis, et il a monté l'agence Viva, ensuite il a intégré Magnum, copain de Pardon, dans le quartier Bresson, de Marc Ribou, tout ça. C'était, il est encore vivant, mais il ne photographie plus. Donc c'était un photographe ultra présent, c'est-à-dire qu'il photographiait en permanence. Et je l'ai croisé donc, de multiples fois, et un jour, on était à Minneapolis, il vient s'asseoir à ma table du petit déjeuner à l'hôtel, et il me dit « mais dis donc, Christophe, hein, t'es breton, toi ». Et en fait, il me dit, mais tu sais, moi, je m'appelle Le Carec, je dois avoir un certain nombre de photos chez moi que j'ai prises en Bretagne et que j'ai jamais regardées. Parce qu'en fait, c'est un type qui prenait peut-être, une dizaine de rouleaux par jour, c'est environ 200 photos par jour, et qu'il ne regardait pas. Et donc, quand il a cessé de faire des photos, il a décidé d'arrêter parce qu'il se trouvait moins pertinent. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi. Et du coup, il a commencé à regarder ses photos. Et on est tombé sur 40 à 50 000 photos de Bretagne. Lui, il a une devise. Sa photo, on doit pouvoir imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. On doit avoir l'impression qu'elle fait partie d'un film.